Yesu yo bolingwa motema nanga
lo e bolingo motema nanga papa e bolingo motema De deux personnes qui veulent construire leur vie. Il y a une personne qui construit sa vie, on donne l'exemple d'une maison en fait. Quand on veut construire une maison là, on fait bien, on arrange bien en bas là, on fait des fondements solides. Ou pas que quand il y a un bobo, un problème, s'il pleut par exemple, ou pas que l'eau rentre en bas et puis que la maison s'écroule. Donc il y en a qui, quand ils construisent leur maison, ils ne respectent pas tout ça là. Et puis après, on voit que bon, un côté du mur est fissuré ou bien telle chose ne va pas parce qu'ils n'ont pas respecté ça. Nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, c'est notre vie là. Quand on dit la maison là, c'est nous-mêmes, c'est notre vie. Et notre vie là, on la construit sur Jésus. C'est-à-dire, tout dans notre vie est basé sur Jésus. C'est ce qu'il veut là qu'on fait. Donc, quand c'est comme ça, on tient bon. Le Seigneur est le roc sur qui on a fondé notre vie. On ne peut pas aller ailleurs en dehors de lui. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Donc le chant dit, c'est comme un cri au Seigneur encore. Je te veux Seigneur, je vis pour t'adorer. Amen. Voilà, donc on va apprendre maintenant. Je ne suis pas sûre que tout le monde voit ici, mais on est là. Mon âme, toi et mon esprit en moi te cherche. On va aller doucement, je reprends. Mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. On reprend encore. Mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Je vais chanter vous cela, allez-y. La première phrase, nous tous on a compris, c'est la deuxième phrase qui nous pose problème. Donc la deuxième phrase dit, et mon esprit en moi te cherche. On y va ensemble. Et mon esprit en moi te cherche. Et mon esprit à moi te cherche. On reprend depuis le début. Attendez, je redis et puis on redescend. Mon âme soupira près toi et mon esprit à moi te cherche. On y va ensemble. Mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Grâce, c'est soupira, près toi, soupira, près toi, soupira. On y va. Mon âme soupira près toi et
de mon cœur et je dis, je suis à toi. On va aller doucement, vous allez comprendre. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Ça va aller. Donc, où on dit et mon esprit, là, là on dit et mon esprit en moi te cherche, mais là on dit et je dis, je suis à toi. On va faire phrase par phrase. Donc, on fait toi seul est le désir de mon cœur. On va s'arrêter là. On entend plusieurs fois. Un, deux et trois. Toi seul est le désir de mon cœur. Non, on reprend. On dit seulement et je dis, et je dis, je suis à toi. Écoute et puis on va répéter encore. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis. Tu es mon bouclier.
parti. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir. Non, parce qu'ici on voit le roi.
C'est valable aussi, mais c'est valable aussi, vraiment. Donc c'est le merveilleux. D'accord. Donc, on va reprendre le chant ensemble. Pensons à notre Seigneur encore. On va l'adorer tous ensemble. Amen. Amen. On y va. Mon âme soupira. Qui n'est pas dans la joie? Personne. Vous êtes tous en joie alors? Oui. Donc c'est bon, on va parler de ce Dieu. On va parler de... Je vais avoir ton... C'est bien puisque tout le monde est dans la joie. Donc on aura plus de... On pourra plus comprendre les promesses du Seigneur pour nous. Puis l'espérance que nous avons tous en tant qu'enfants du Seigneur. Donc qu'est-ce que les promesses du Seigneur? C'est que pour tout enfant du Seigneur, pour toute personne qui a été rachetée par le sang précieux de Jésus, Jésus lui a fait une promesse. Et c'est à cette promesse-là que nous tous nous aspirons en tant qu'enfants du Seigneur. Ce qui est important de savoir, c'est que avant que le Seigneur ne nous sauve, vous m'entendez quand je parle? Avant que le Seigneur ne nous sauve, avant que réellement nous puissions quitter, on va dire, la vie de péché que nous avions, nous étions sous l'emprise du péché. Nous étions tous enfants du Seigneur. Et la Bible nous dit, justement dans la parole, dans le livre de Romains, pour ceux qui ont les Bibles, on va noter. La Bible nous dit dans le livre de Romains, Romains 8, que nous avons été non seulement rachetés, mais nous avons été adoptés. Romains 8, à partir du verset 14. Donc, je vais lire comme tout le monde n'a pas de Bible. Donc, Romains 8, à partir du verset 14, nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions: Abba Père.
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je vais reprendre. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. C'est intéressant de comprendre ici et de voir ici. Je ne sais pas si vous avez suivi la parole, mais si vous avez pu saisir réellement ce que je disais, mais cette partie de la parole-là nous dit que nous avons été adoptés, que nous avons été adoptés par le Seigneur et que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et il y a une promesse qui est rattachée au fait que nous soyons héritiers avec Christ. Et c'est ce qui fait notre espérance. Et tout à l'heure, quand je disais, est-ce que nous sommes en joie ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui est triste? C'était pour parler à cette personne-là qui est triste et qui est triste que, en vérité, nous avons une promesse et une espérance en Christ. Nous avons l'espérance de le retrouver bientôt. Et pour toute personne qui a été rachetée par le Seigneur, toute personne qui aime le Seigneur, toute personne qui aspire, qui soupire après lui, tout à l'heure nous chantions un chant qui disait « Que mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche ». Donc toutes ces personnes-là, j'espère que ce n'est pas trop fort, hein. Ça va? Donc toutes ces personnes-là qui ont été rachetées, qui ont été, on va dire, arrachées des mains de l'ennemi, notre ancien père, parce que nous étions enfants du péché, toutes ces personnes qui ont été rachetées aspirent et cherchent le Seigneur Jésus. Et je voudrais vous donner quelques promesses ou quelques espérances que nous avons en Christ. Vous savez, il y a une parole que j'aime bien puisque nous sommes, nous sommes tous enfants du Seigneur. Il y a une parole qui nous touche personnellement, c'est dans le livre de Luc, tous ceux qui ont une Bible, dans le livre de Luc, Luc à partir du chapitre 15, ça va nous aider à comprendre un peu. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me dites hein, que je puisse arrêter ou que je puisse vous expliquer mieux. Dans Luc 15, on nous parle d'un enfant qui a quitté la maison de son père. Et cet enfant qui a quitté la maison de son père, là, quelque part, ça nous parle de nous. Ça nous parle du fait qu'à un certain moment, surtout d'Adam, Adam était dans le jardin d'Éden, il avait connu le père. Le père le visitait toujours, nous dit la parole, partageait des moments avec lui, des moments qui étaient privilégiés. Et par la ruse de l'ennemi, Satan a détourné Adam du Seigneur. Donc, nous avons tous, à un certain moment donné, été détournés du chemin que le Seigneur avait tracé pour nous. Nous avons été détournés de lui. Nous avons été détournés du Père. Et nous sommes semblables à ce fils prodige qui, à un certain moment, a quitté la maison de son Père. Et on voit comment est-ce que la vie de ce jeune homme-là a été pénible. À un certain moment, il avait de l'argent, il avait hérité de son Père. Et lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est parti, à un certain moment, il est devenu pauvre. Il est devenu pauvre et ça a été tellement, tellement difficile pour lui qu'il a commencé à soupirer après la maison de son père. Il était là, il disait, mais je me rappelle encore de ces moments que je passais dans la maison de mon père. Et je suis en train de me nourrir des carouges, de ce que mangent les cochons et tout. Alors que même dans la maison de mon père, il y a des mets délicieux. Même dans la maison de mon père, les serviteurs qui sont dans la maison de mon père peuvent jouir, on va dire, de tout ce que mon père leur donne. Mais moi, je suis là, loin de mon père. Et cette parole-là, comme je dis, cette parole-là parle de nous. Cette parole-là parle du fait que, à un certain moment de notre vie, nous avons été écartés du chemin du Seigneur. Nous avons été écartés de la maison du Père. Nous avons quitté la maison de notre Père. Et le Seigneur est bon parce que, dans cette parole-là, lorsqu'on continue, on se rend compte que le petit, à un certain moment, s'est rappelé, s'est souvenu. S'est souvenu d'une maison qu'il avait quittée. S'est souvenu d'une maison où il pouvait jouir de tous les biens de son père, se rappeler de comment est-ce qu'il était bien en la présence de son père.
Et cette parole-là, elle est adressée à nous. Cette parole-là est adressée à nous qui, aujourd'hui, étant loin de notre Père, aspirons à le retrouver. C'est vrai, on peut être triste. C'est vrai, on peut être dans l'angoisse. C'est vrai, on peut chaque fois avoir des troubles dans le cœur. On se dit, ah, la vie est tellement difficile. Je me réveille, je n'ai pas de joie dans mon cœur. Je suis triste. Parce que je me dis, mais cette journée-là va être encore difficile à passer. Ah, mais la journée est longue. On est pressé de retrouver la nuit parce qu'on se dit, au moins quand on va dormir, on va oublier peut-être cette vie dans laquelle nous sommes. On va oublier peut-être que nous sommes souvent tristes. On va oublier peut-être que souvent nous sommes malheureux. On va oublier peut-être que souvent, c'est la vie est tellement difficile. Mais quelque part, il faut que nous tous nous accordions. Il faut que nous tous nous soyons fixés sur cette promesse, cette espérance que nous avons dans le Seigneur, que nous allons le retrouver. Et nous allons lire un peu comment est-ce que ce jeune homme-là a quitté, peut-être pour nous retrouver un peu dans le contexte. Donc c'est dans Luc 15, à partir du verset 11. Pour vous rappeler un peu l'histoire, la Bible nous dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, c'est-à-dire les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne me suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, des mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore en chemin, son père le vit. Et là, c'est merveilleux parce que même dans notre détresse, même dans notre tristesse, même dans tous ces malheurs, on va dire, qui accablent notre cœur, même dans cette tristesse profonde qui touche notre cœur, le Seigneur est bon parce qu'il envoie son esprit vers nous. Et la Bible nous dit que je vous enverrai mon esprit qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et cet esprit que le Seigneur envoie vient pour nous convaincre de péché. Et lorsque l'esprit nous touche, on se rend compte qu'on a péché envers le Seigneur. On se rend compte qu'on a mal fait à un certain moment de se détourner de lui par le péché. Et cet esprit-là nous donne de retourner vers le Seigneur. Et c'est cet esprit-là qui a touché ce jeune homme-là qui, en lui-même, a compris qu'il avait péché contre le Seigneur et qu'il devait retourner à lui. Qu'il devait retourner dans cette maison qu'il avait abandonnée, qu'il devait retourner auprès du Seigneur. Et on voit comment dans son amour, le Seigneur, dans sa grâce, c'est vrai qu'ici, le Père a une figure du Seigneur qui, dans sa bonté, est toujours prêt à nous ouvrir les bras. Il nous dit, venez, venez, je suis toujours prêt à vous recevoir dans mes bras, je suis toujours prêt à vous ouvrir mon cœur pour vous recevoir auprès de moi. Et la Bible nous dit, comme il était encore loin, son père le vit. Et son père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que on voit ici comment le Seigneur est bon parce que la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle le Seigneur Jésus. Chaque fois que le Seigneur Jésus s'approchait de la foule, chaque fois que le Seigneur Jésus voulait guérir quelqu'un ou bien, ne serait même que ressusciter Lazare ou ressusciter encore même la fille de Jairus, ou toutes ces personnes-là dont la Bible nous parle, le Seigneur fut ému de compassion. Et vous savez, l'une des espérances que nous avons, c'est que quelque part dans cette mort-là que nous avons connue par le péché, le Seigneur nous a donné une promesse. Le Seigneur nous a dit que le séjour des morts ne prolongera point contre nous. Que quelle que soit la mort que nous avons connue, si c'est une mort morale, si c'est une mort spirituelle, même si c'est une mort même dans les sentiments parce que nous sommes blessés dans le cœur, même si nous avons connu la mort, le Seigneur par son esprit nous ressuscite. Et nous avons une espérance, c'est que quelle que soit la mort par laquelle nous passons, cette angoisse dans laquelle nous sommes, le Seigneur a la puissance, le Seigneur a la force nécessaire pour nous ressusciter, pour nous réveiller de l'état dans lequel nous sommes. Et lorsqu'on continue dans le passage, à partir du verset 21, la Bible nous dit, le fils lui dit, « Mon père,
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Le Seigneur est tellement bon parce qu'il ne regarde pas nos iniquités, non. Il ne regarde pas nos fautes, non. Il ne regarde pas nos fautes. Tu viens vers ton père, tu te dis que tu regrettes et tout. Et lorsque tu reviens, ton père est là, oui. Toi, tu as quitté la maison, non. Est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé? Est-ce que c'est moi qui ai dit de te détourner de moi? Et que le père se referme, ferme son cœur. Mais ça n'a pas été la réaction du père. Le père a accepté le pardon. Une repentance qui venait réellement du cœur de l'enfant. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que si nous nous repentons réellement, si nous demandons pardon pour les péchés que nous avons commis, il est digne, le Seigneur est vraiment bon, le Seigneur va nous pardonner. Et c'est ce que le Père a fait. Et la Bible nous dit qu'il a changé les vêtements du jeune homme. Vous savez, quand on vit une vie de misère, quand on vit une vie réellement de souffrance, c'est un peu comme si à un certain moment, vous allez vous rendre compte que même nos habits même témoignent de l'intérieur de notre cœur. Nous avons des habits sales, nous avons des habits souillés, nous avons des habits en lambeaux, des habits déchirés. Et ça témoigne de comment est-ce qu'à l'intérieur de notre cœur, nous sommes déchirés. Comment est-ce qu'à l'intérieur de nos cœurs, nous avons besoin que quelqu'un change notre vêtement. Et vous savez, le Seigneur, dans sa bonté, quand il nous parle souvent du vêtement de l'homme, du vêtement souillé de l'homme, il parle du péché de l'homme. Et on voit comment est-ce que le Seigneur va prendre le fils qui va enlever son vêtement qui est souillé, taché par le péché, et qui va lui donner un vêtement nouveau. Vous comprenez un peu? Ça, le Seigneur nous enlève notre péché, le Seigneur nous enlève notre iniquité, et le Seigneur nous remet d'un habit nouveau. Et ce n'est pas fini. C'est que, dans cette expérience que nous avons, c'est que le Seigneur dit dans sa parole que il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans Jean 14. Et je vais, si ça n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais auprès du Père vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça fait partie d'une des espérances que nous avons. Et dans ce passage qu'on est en train de lire, justement, ce fils-là avait une demeure, une demeure dans la maison de son père. Et lorsqu'il est revenu, son père, en plus de le recevoir et en plus de l'envoyer dans sa demeure, a fait un festin, a fait une fête. Et cette fête-là, ça nous rappelle la fête de l'agneau, les noces de l'agneau. Cette fête-là auquel tout bon chrétien aspire. Parce que le Seigneur nous dit que lorsque nous allons être enlevés auprès de nous, il va faire un festin pendant 7 ans où on ne va faire que danser, se réjouir auprès du Seigneur. Ça fait partie d'une des espérances que nous avons. Et on voit comment est-ce que dans ce passage-là, justement, le Seigneur, en tout cas le Père du Fils, a prêté un cheval. La Bible nous dit au verset 22, « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. » C'est ce passage-là tout à l'heure que... Enfin, c'est cette partie-là tout à l'heure qu'on partageait quand le Père dit, mon fils que voici était mort. Mais le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit dans sa parole que... Il disait à Jean, à Pierre, pardon, que... Et toi, tu es Pierre. Parce que Pierre avait dit, rappelez-vous, il avait dit que toi, tu es Pierre. Et Pierre avait dit que toi, tu es le Messie. Toi, tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur dit, comme tu as dit ça, sur ce que tu as dit, donc sur cette pierre-là qui constitue le fondement de l'Église, je bâtirai mon Église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Nous avons une promesse. C'est que même si nous mourons, le Seigneur qui a ressuscité le Père qui a ressuscité le Seigneur Jésus va nous aussi nous ressusciter. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Donc le Seigneur nous a redonné vie. Et nous étions perdus dans nos iniquités, perdus dans nos péchés. Et le Seigneur nous a retrouvés. Et nous sommes revenus auprès de lui. Et là, ils ont commencé, ils ont tué le veau qui était engraissé, ils l'ont tué. Et ils ont commencé à se réjouir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si nous n'avons pas encore été enlevés, même si nous ne sommes pas encore morts, nous avons cette promesse-là. Et même quand la tristesse nous accable, même quand
nous sommes malheureux, même quand, souvent quand nous nous réveillons, nous n'avons pas goût à la vie, nous avons une attitude morose, nous avons cette promesse-là, qui doit nous remplir de joie, qui doit nous remplir de gaieté, qui doit véritablement réjouir notre cœur, parce que nous savons que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous allons retrouver notre Père. Et lorsque nous serons près de notre Père, nous allons nous réjouir avec lui. Nous allons danser, nous allons oublier, parce que le Seigneur dit qu'auprès de lui, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus rien. Qui va essuyer les larmes? Il va essuyer nos larmes. Il n'y aura plus de larmes dans ces demeures-là que le Seigneur allait nous préparer. Et je souhaite réellement que nous puissions garder les promesses de ce Seigneur-là. Nous puissions garder ces promesses-là dans notre cœur. Que même si actuellement nous passions par des moments difficiles, même si dans notre cœur nous sommes tristes, que nous puissions garder les promesses du Seigneur. Parce que le Seigneur dit que bientôt nous serons près de lui. Le Seigneur dit que bientôt il va nous communiquer sa joie. Il va faire en sorte que nos larmes soient essuyées. Il va faire en sorte que nous soyons en permanence dans sa présence. Et je souhaite réellement vous communiquer peut-être cette expérience-là que nous avons tous. Et nous allons prier réellement. C'est vrai que personne n'a levé sa main, mais nous allons prier pour que, quelle que soit la tristesse que nous avons dans les cœurs, quelle que soit des douleurs ou bien des blessures que nous avons dans les cœurs, que le Seigneur nous guérisse. Parce que le Seigneur, il est tellement bon que même quand nous avons des blessures dans le cœur, quelles que soient les blessures, quelle que soit la personne qui a causé ces blessures-là, le Seigneur est bon parce qu'il veut restaurer notre cœur. Et lorsqu'il va finir de restaurer notre cœur, il va nous apporter la joie. Et cette joie-là, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, même si on est en galère, même si la vie est difficile, le Seigneur va permettre que cette joie-là puisse demeurer dans notre cœur. On va prier pour que le Seigneur restaure notre cœur. Que le Seigneur enlève de notre cœur toute forme de tristesse, toute forme d'angoisse, toute forme de blessure qui est rattachée à notre cœur. Que le Seigneur nous restaure réellement dans notre cœur. Et que le Seigneur nous remplisse de sa joie. Que le Seigneur nous remplisse de son amour. Que le Seigneur nous remplisse de sa paix. Pour que réellement nous puissions garder sa promesse. Que nous puissions garder son espérance. Que nous puissions nous accrocher à cette espérance-là. De bientôt le revoir. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père de gloire pour ce temps, Seigneur. Père de gloire. Alléluia. Pour aller vers toi dans ta maison. Enfin, c'est pas le chant. On va nous apprendre ça. Bon, ça va faire un chant de plus qu'on pourra chanter ensemble. Parce que y a un chant qui est lié justement à cette expérience que nous avons. On va juste chanter ça et puis. Madame Marquet. Oui, en fait le chant, excusez-moi, il a plein de. Oui, c'est un peu long quand même. Techniquement, comment on dit ça? Vocalement, c'est trop compliqué. Avec ce qu'ils ont déjà appris. Donc, je suis en train de voir si on ne peut pas adapter le chant. Bon, je vais juste chanter la fin. Bon, je chante tout. Je connais aussi. Tu connais, non? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment puis-je tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion, combien sont pures tes voix.
veux-tu marcher tous les jours de ma vie? Je veux-tu marcher tous les jours de ma vie pour aller vers toi dans ta maison. Spécial, on a une journée spéciale parce que Jésus est spécial. Alléluia. Amen. Les journées ne se ressemblent pas avec Jésus. Amen. Amen. Qui avait émis le désir de passer par les eaux du baptême? Qui voulait se faire baptiser? La dernière fois, c'était il y a 2 semaines. Ceux qui voulaient se faire baptiser, qui se lèvent. Lèvez-vous. Là, il y avait, à l'époque, c'était, il y avait les internes qui étaient là. Ok. Alors les externes qui voulaient aussi se faire baptiser. Elles sont là. Celle-ci. Sarah. Ok. Ok. S'il vous plaît, concentrez-vous. Alléluia. Alors, on devait déjà faire le baptême la semaine passée, mais il y avait un problème d'eau. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a un peu d'eau. Il y a quand même assez d'eau pour pouvoir le faire. Donc, on va faire le baptême aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que les chrétiens qui recevaient Jésus-Christ, les premiers chrétiens, lorsqu'il y a eu la prédication de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, s'il vous plaît. Quand il y avait la prédication de Pierre, on nous dit que les frères eurent le cœur vivement touché. Et quand ils eurent le cœur vivement touché, ils ont de poser la question, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre va leur dire, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, à chaque fois qu'une personne recevait le Seigneur dans sa vie, il recevait le baptême le même jour. Alléluia. Amen. C'était le jour même qu'il recevait le baptême. Tout le monde chante Alléluia.
Jésus. Tout le monde chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Youkou, coucou, coucou, coucou. Alléluia. Kobanga et Kwei. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Il y a peut-être quelque chose à voir encore. Il y a des mundas. Pardon? Encore un chant. Oui. Encore un chant et après on va prendre le temps pour la parole. On se sent mal, mais le chant a dit Jésus est mon ami de tous les jours. Moi j'aime beaucoup ce chant parce que ça montre que Jésus est là avec nous, partout où on passe. Quand on est seul dans un endroit, Jésus est là, il nous voit, il connaît notre cœur. On peut lui dire tout ce qu'on a sur le cœur et puis il décharge notre cœur. On peut lui dire toutes nos craintes, quand on pense au lendemain, on sait pas comment tu peux lui exprimer tout ça, tu peux dire tout ça à Jésus. Donc c'est ton ami de tous les jours. C'est notre Seigneur, amen. Amen. C'est notre Dieu, mais on peut aussi lui exprimer tout. C'est une intimité avec lui, amen. Amen. Alors le chant dit, Jésus est mon ami de tous les jours. Et puis vous dites, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré.